Après plusieurs mois de vacances, Gabriella et Jacques de Monaco doivent retourner à l'école. Pour leur rentrée scolaire, ils ont pris la pause avec leurs parents à l'école privée François d'Assise Nicolas Barré de Monaco. Les vacances sont terminées. Le samedi 9 septembre dernier, Gabriella et Jacques de Monaco assistaient au pique-nique annuel U Cavagnetti au parc Princesse Antoinette. Une fête traditionnelle qui a été lancée dans les années 30 et qui célèbre la fin de l'été avec de nombreux événements, comme une messe, des concours de tir, des danses folkloriques ou encore des chants. Ce pique-nique attire chaque année des milliers de monégasques, qui peuvent découvrir de près la famille royale. Mais dès ce lundi 11 septembre, les deux héritiers au trône ont retrouvé le chemin des classes. Gabriella et Jacques ont fait leur rentrée en spell 2-bas à l'école privée catholique François d'Assise Nicolas Barré de Monaco, avec quelques changements. Une rentrée remarquée pour cette matinée de rentrée, ils étaient très excités, tous les deux, de revoir leurs amis, après de si longues vacances. Si est-il aussi la première fois que Jacques et Gabriella ne seront pas dans la même classe, a expliqué Charlène de Monaco à nos confrères de Monaco Matin. Sur les réseaux sociaux, la famille royale a pris le soin de publier une photo de la rentrée de Jacques et Gabriella. Ils posaient ainsi avec leur tenue d'uniforme en rouge et bleu marine, accompagnés de leurs deux parents. Cette année, les deux enfants de 8 ans ont choisi la simplicité. L'année dernière, ils avaient amusé tout le royaume en apparaissant avec des oreilles de chat pour Gabriella et un cartable du jeu vidéo Mario pour Jacques. Gabriella et Jacques de Monaco bons élèves, ils doivent encore se concentrer un peu sur leur travail scolaire, mais quel parent ne va pas dire ça? Ils viennent d'avoir 8 ans et comme tous les enfants de cet âge, ils peuvent être un peu distraits, avait confié Albert II de Monaco l'année dernière au magazine People. Gabriella est assez spontanée, elle a une certaine assurance. Jacques, lui, est très réservé, mais très observateur. Si est-il, je crois, l'apanage des garçons à cet âge où les filles sont, elles, peut-être, plus expressives. Ils sont complémentaires en un sens et apprivoisent peu à peu leur environnement. Mais ils sont encore jeunes et se développent jour après jour, a ajouté, il y a quelques jours, Charlène de Monaco pour parler de ses enfants. Une scolarité suivie de près. Leur rentrée des classes est à découvrir ici.